Hello, my name is Helena Taylor, and I am the voice of Bayonetta, and I would like to explain to you why I didn't voice Bayonetta 3. The Bayonetta franchise made an approximated $450 million. That's not including merchandise. As an actor, I trained for a total of 7.5 years. 3 years at the London Academy of Music and Dramatic Art, LAMDA, with voice coach Barbara Barkery, and 4.5 years with the legendary Larry Moss in Los Angeles. And what did they think this was worth? What did they offer to pay me? The final offer to do the whole game as a buyout, a flat rate, was $4,000. This is an insult to me, the amount of time that I took to work on my talent and everything that I have given to this game and to the fans. I am asking the fans to boycott this game and instead spend the money that you would have spent on this game donating it to charity. I didn't want the world. I didn't ask for too much. I was just asking for a decent, dignified living wage. What they did was legal, but it was immoral. Don't fuck with a witch. Alors bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons traiter le scandale de Bayonetta 3 et donc l'appel au boycott par Elena Taylor, donc, qui est la voix de Bayonetta dans le jeu, hein, l'œuvre de Hideki Kamiya, hein, basée sur son ancien jeu de chez Capcom, Devil May Cry. Donc le jeu sort le 28 octobre 2022, donc dans quelques jours. Et donc l'actrice donc Elena Taylor nous fait... donc ce petit scandale en nous disant de boycotter le jeu parce qu'elle a reçu une injure de la part de Platinum Games, et donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et ce que nous allons étudier ensemble. Comment vas-tu, Futuramax? Ah, ça va bien, et toi? Bonjour tout le monde. Eh bah écoute, c'est au top, donc on va enchaîner sans transition, donc en parlant de ce petit scandale. Donc pour résumer les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Elena Taylor donc, a été auscultée, entre guillemets, pour voir si elle pouvait toujours faire le rôle donc, de Bayonetta, et ça s'est très bien passé. Simplement, en fait, ils ont proposé beaucoup moins que ce qu'elle espérait, et donc elle a donc, demandé à Hideki Kamiya de relever un petit peu la proposition, et ça a fini à 4 000 $. Alors 4 000 $, elle a trouvé ça immoral, insultant par rapport à son talent, entre guillemets, c'est exactement ce qu'elle dit. Et elle dit que le jeu fait des millions, hein, ce qui est possible, que dans ces cas-là, elle voudrait juste être payée à sa juste valeur, et que donc elle demande aux fans de réagir par rapport à ce sous-paiement en boycottant le jeu et en donnant donc leur argent à des œuvres de charité. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, j'en pense que déjà, rien qu'en en parlant, elle a brisé son NDA, c'est-à-dire le Non-Disclosure Agreement, le truc que tu signes, même quand tu es que adjacent à un projet, tu bosses pas dessus, tu as le droit de rien révéler dessus sur les coulisses, donc elle a signé un truc comme ça, donc déjà, c'est pas forcément une bonne idée de faire ça. Et en même temps, je sais que 4000 balles, ça peut paraître énorme par rapport au temps de travail que c'est, mais c'est un milieu dans lequel... effectivement il n'y a pas du travail tout le temps et ça peut être compliqué des fois de tenir, donc il faut être bien payé pour pouvoir tenir derrière. Et tu me diras, elle a craché sur 4000 balles, donc elle devait toucher plus, mais bref, c'est des choses qui peuvent se comprendre, surtout quand on pense aux techniciens et autres qui se disent, ah, je vais travailler sur des grands jeux, des grands films, des trucs comme ça, ils ont des étoiles dans les yeux, mais il s'avère qu'une fois qui sont sur le projet, ils sont payés des clopinettes parce qu'on leur dit « Ouais, ça fera bien sur ton CV, c'est ton rêve, vas-y mon coco ». Donc, de parler de ce problème-là et de le mettre en avant, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que la manière dont elle s'y est prise, c'est
très contre-productif et qu'on jouera à Bayonetta 3 quand même. Qu'est-ce que tu veux nous en dire ? Alors moi, je serais plus tranchant comme un katana, dans le sens où, déjà, je ne veux pas me poser comme un expert. Mais même si je ne suis pas un expert, ça ne m'empêche pas de donner mon avis. Je regrette le fait que tout le monde ne soit pas payé à sa juste valeur, donc au niveau des voice actors, je peux comprendre. Mais à côté de ça, moi, ce que je ne peux pas supporter, c'est qu'elle crache dans la soupe dont elle s'est bien régalée juste avant, en ayant perçu certainement plus que 4 000 $, puisqu'elle se plaint maintenant sur Bayonetta 1 et 2, puisqu'elle a quand même avoué dans un podcast de 2018 chez Nintendo qu'elle avait travaillé 16 heures par jeu, donc Bayonetta 1 et Bayonetta 2 sur 4 jours à chaque fois. Et donc, elle s'est bien régalée sur les deux premiers épisodes, hein, elle se fait passer pour quelqu'un qui aime la série, etc. Mais ça l'empêche pas d'étaler devant tout le monde en chiant dans les bottes de Platinum Games que c'est insultant, que c'est immoral. Et ça passe pas. Et quand on gagne ne serait-ce que 4 000 $ pour 16 heures donc de travail et qu'on se plaint devant tout le monde en disant de boycotter le jeu, sûrement avec des gens qui peinent à acheter des jeux vidéo et qui peuvent potentiellement travailler à l'usine et gagner 1 200 € par mois, et ben ça fait tâche. Et même quand on arrive comme ça à faire Madame l'enfant gâté et qu'on fait une démonstration de quelqu'un qui est ému parce qu'elle a été dire quand même que cette proposition l'avait touché psychologiquement, qu'elle avait fait, elle avait pensé au suicide à cause de ça. Or, elle sort quand même cette vidéo et ce Twitter juste avant la sortie du jeu. Bien sûr, elle savait il y a des mois qu'elle n'était pas prise pour le poste. Donc il y a vraiment une volonté de nuire derrière. Et ça, c'est difficile à accepter. Donc plutôt que le boycott de Bayonetta 3, ça me donne en plus envie de la boycotter elle, voilà. Et donc ce que je rajouterais, c'est que Hideki Kamiya, lui, a assez mal réagi sur Twitter, hein, parce qu'il faut savoir que Hideki Kamiya, c'est un peu une starlette aussi. Et en fait, il avait mis un tweet comme quoi je t'ai prévenu, en fait. Voilà. Et ça l'a fait être bloqué sur Twitter pendant plusieurs jours. Et en fait, c'est parce qu'elle a aussi, comme tu l'as dit, un NDA et qu'elle n'a pas à foutre un scandale comme ça. Donc, il a aussi marqué ça, en fait, que c'était triste et déplorable et que tout n'était pas vrai. Et si vous regardez après By the Way, Beware of My Rules, c'est parce que, en fait, le mec, je vous ai dit, hein, il est un petit peu fou. Il a mis des règles pour lui parler sur Twitter. Il faut lui parler en japonais, il ne faut pas lui reposer deux fois la même question, ce genre de choses. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire, voilà, parce qu'en fait, il a bloqué énormément de gens, hein, Kamiya. Je crois que c'est de l'ordre de 18 000 personnes quand les mecs ne respectaient pas ces règles. Donc voilà, moi, j'ai envie de te dire que en ces temps difficiles, voir quelqu'un qui chie dans la soupe et qui fait sa starlette, eh bien, ça passe mal, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je vais ajouter que de toute façon, c'est un milieu ingrat, comme on avait eu l'exemple avec Metal Gear Solid 5 et David Hayter, qui était la voix de Solid Snake en anglais depuis le premier épisode, qui avait été remercié sans même être prévenu, vu que c'est Kiefer Sutherland qui l'a remplacé pour le 5, et qui l'a appris, en gros, dans la presse, dans les annonces du jeu. C'est juste qu'on lui a... on l'a pas fait venir pour celui-là. Donc, de base, c'est un milieu ingrat, il faut le savoir avant de rentrer dedans. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas penser au fait que toutes les petites mains sont mal payées, que c'est quelque chose à dire et que ce n'est pas les voice actors les plus mal lotis, mais plus les programmeurs, les gens qui modélisent une feuille pendant tout le développement d'un jeu, enfin, ce genre de choses. Donc, faire parler de ça et de rééquilibrer un peu les payes, ça, je suis pour. Se plaindre comme ça en brisant un NDA et en ramenant tout à sa personne, c'est au mieux maladroit, au pire insultant. Voilà. Oui, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Peut-être que Platinum Games y est mal pris, peut-être que c'est pas assez cher. Après, en fait, cette polémique a fait parler beaucoup plus de gens. Et donc, il se disait que les prix avaient tendance à aller vers le bas et que l'offre était plutôt vers le bas pour un talent comme ça, mais que c'était pas non plus insultant ni immoral de proposer ça. Et puis, de toute manière, hein, comme on a dit, si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs. En sachant que je rappellerai juste que Platinum Games n'est pas forcément une entreprise en pleine forme. Faut pas oublier qu'ils n'arrivent pas à développer leurs propres jeux. Ils ne font que travailler pour les autres sociétés.
Si on reprend l'historique des Bayonetta, en fait, le premier s'est très bien vendu avec 1 350 000 sur Xbox 360 et PS3. Mais le numéro 2, lui, à l'époque, c'était financé par Sega, avait été cancellé en plein développement et repris en pleine volée par Nintendo, qui avait sauvé le projet. Et ça ne s'était vendu qu'à 300 000 exemplaires sur Wii U. La ressortie sur Switch avait permis au jeu de vendre plus, à 400 000 sur les 10 premières semaines, donc ça avait un peu sauvé le truc. Mais on n'est pas en présence d'une des licences qui fait le plus d'argent au monde. Donc ces affirmations de dire que le jeu a généré des centaines de millions, je ne suis pas sûr que ça soit exactement profitable pour Platinum Games, qui est associé à plein de gens dans l'histoire. Et pour finir, je dirais que elle, qui réclame plus de pognon sur des sommes à 4 chiffres, quand il y a des bêta-testeurs qui ne sont pas forcément payés beaucoup plus et qui mériteraient aussi de l'être tout autant qu'elle, eh bien, ça fait désordre. En tout cas, voilà, qui doit-on boycotter, c'est la question. Voilà, est-ce que tu veux dire au revoir à tous nos auditeurs ? Oui, tout à fait, en précisant qu'il n'y aura sans doute pas de boycott ni de Bayonetta, ni d'elle, parce que les gens ne s'intéressent pas aux voice actors. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais dire au revoir. Exactement, salabayo ! Bad.